Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'appréhende un petit peu de faire. Ça va être un prank. Mon ami Aurélien, je pense que vous le connaissez maintenant. Je vais lui faire croire que je n'aime plus Spider-Man à cause de lui. Donc comme vous le savez, je suis fanatique de Spider-Man. Et en fait je vais lui faire croire qu'il m'a dégoûté de ce film parce que lui aussi est très fan. Qu'il m'a saoulé, que je veux plus aller le voir cet été, que bref, je vais lui reprocher plein de trucs. En tout cas je vais être méchante avec lui. Je suis pas très contente de faire ça, mais bon, je pense que ça va vous faire rire, que ça va être une vidéo sympa à regarder. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que mon t-shirt il vient du site que je mettrai en description. Donc c'est d'un groupe, donc c'est les Naive New quelque chose. Je ne prononcerai pas parce que ma prononciation est juste horrible. Donc je mettrai ici leur petit tête, je pense que vous les connaissez. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Du coup ben, j'étais trop contente d'avoir ce petit t-shirt. Et avec, j'ai eu des petits tatouages comme ceci et un petit pin, fait un petit truc à mettre genre sur les t-shirts. Maintenant je vais appeler Aurélien. Non mais là j'ai un peu peur. Putain, j'aime pas ça. Ça va? Oui, et toi? Je suis en train de faire un débat contre une féministe. T'aimes pas l'ambiance? Ouais, grave. Je t'appelle pour te dire un truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Spider-Man, ça m'a saoulé. Quoi? Je vais essayer de pas m'énerver contre toi, même si bon... Ouais, je suis à quoi là? Ben... Depuis le temps qu'on se connaît, je vais me permettre de te le dire, mais... j'en suis dégoûtée à cause de toi. De quoi? De quoi? De Spider-Man. Mais pourquoi? J'ai fait quoi, moi? Je sais pas, ça m'a saoulé. C'était le seul sujet de conversation qu'on avait ensemble. Tu m'en parles tout le temps. Mais pourtant t'avais bien snap oui, dimanche dernier. J'ai snappé parce que ben, depuis très longtemps j'adore et tout, et je me dis ça va me passer, nanana, je sais que j'en suis dingue donc ça va me revenir et tout, mais même toi, genre tes stories, elles étaient trop longues, genre ça faisait pitié, limite tu tremblais, même je l'envoyais à mes amis, elles étaient mortes de rire, enfin t'es ridicule. Mais t'es sérieuse? Ben oui. Genre pourquoi tu me dis ça? Enfin, je rends kiffé quand on parlait de ça et tout. Pourquoi je... Genre, ça m'a pris. Ben même, je devais faire une vidéo pour tout te dire sur Spider-Man, sur le film, sur des. Ouais, même tu m'en avais parlé une fois, enfin rapidement. Ben oui, et même j'allais la tourner tout à l'heure. Et genre, ça m'a dégoûté parce que maintenant, quand je pense à Spider-Man, je pense à toi et ça. Je sais pas, on s'est. Bah, c'est bien, non? Ben non. Moi, c'est bien. Ouais. Enfin, c'est bizarre, enfin, je sais pas, genre, toi qui me dis ça, c'est bizarre parce que. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi c'est t'a saoulé? Enfin, c'est chelou. Mais je suis désolée de t'en foutre plein la gueule, mais c'était pesant parce que, genre, c'est mon film préféré depuis que je suis petite et de savoir que j'en suis dégoûtée à cause de toi, ben ça me casse les couilles, quoi. Donc, Mais tourne-la ta vidéo. Puis je prends aucun plaisir à faire et ça me saoule et j'ai l'impression de parler dans le vent et. Mais non, moi non, non, je suis désolé, non, mais Spider-Man, tu aimes Spider-Man, non, c'est pas possible, c'est pas moi, je fais juste des stories, j'ai juste fait une story ou deux, voire peut-être trois ou quatre, mais pas plus que ça, mais franchement, si les six stories t'ont fait ça... Je vais pas m'énerver parce que ça sert à rien, mais genre, ça me saoule, genre, t'es trop, t'es chiant. Ah, je suis chiant. En plus, là, c'est bizarre que tu me dises ça parce que je suis en train d'écouter un truc. Ça. Genre, je suis sur mon téléphone et tout. Et... Ok, peut-être que je peux faire aimer des gens, mais détester, pourquoi? Enfin, j'abuse. Ouais, enfin, ouais, j'abuse un peu quand même. Oui, mais... t'abuses et puis même là, ta musique, c'est pas normal. Comme le youtubeur? Pardon, non, excuse-moi. J'essaie juste de me mettre bien parce que là, franchement, je suis pas trop bien, quoi. Oui, babe. Mais vas-y, explique-moi une raison ou deux, là, j'ai besoin de savoir, parce que là, franchement, je rigole de nerfs, en fait. Mais je sais pas, le mieux, ça serait que je vienne pas cet été te voir pour qu'on y aille. Non, quoi? Non, non, pas ça, ok, d'accord, ça, mais non, quand même, là, non, t'abuses. Mais ça sert à rien que je vienne te voir si on parle que de Spider-Man et en plus mais on va... Non, mais quand même. Parce que, si en plus, on va voir le nouveau Spider-Man et on va en parler tout le temps... Et enfin, je sais pas, c'est. Pourquoi faire quoi? Je sais pas, en plus, la dernière fois, tu voulais regarder Spider-Man 1 ensemble. Mais non, mais c'est pas possible. Me dis, je vais t'en parler avant qu'il y ait Spider-Man. Tu te prends là ou quoi là? C'est trop bizarre.
Non. Non, c'est pas un prank, non, c'est pas une caméra cachée. Mais ouais. Pourquoi tu viendrais pas, wesh? En plus, c'est dans un moins d'un mois. On a dit on serait bien, enfin, on regarde le film et tout, c'est grave bien, au cinéma et tout. Non, tu viens, je m'en bats les couilles, tu viens. Mais. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible, on a programmé ça depuis au moins 2-3 mois, voire plus. En plus, genre, il va y avoir Spider-Man là, dimanche sur NT1 et tu vas encore mettre plein de stories, tu vas encore m'en parler, t'as vu ce moment et tout, alors que. Enfin, c'est un beau film, mais franchement, je m'en suis dégoûtée. Et, en plus, Spider-Man 2, c'est le meilleur quand même. Je t'appelle parce que par message ça fait hypocrite et ça m'a saoulé Spider-Man partout et tout ça, et même ma famille, genre depuis super longtemps ils savent que j'adore, et de savoir ils vont me demander. Ils sont saoulés aussi? Ben non, mais ils en ont marre, mais là ils vont me demander pourquoi j'aime plus et je vais leur dire ah ben c'est à cause d'Aurélien. Super, hein, c'est gentil ça. Wow. En plus, je me suis dit, si un jour j'ai de l'argent, genre j'achète un costume et je le accroche contre le mur. C'est comme dans Spider-Man 2. C'est trop, t'es trop fanatisme, c'est pas bon, Aurélienne, c'est pas un comportement normal, ça. Ouais, mais attends, il y en a, ils sont fans de PNL. Ils sont fans de musique, de Columbine et tout. Enfin, je sais pas, genre c'est pareil, chacun est fan comme il est. Mais je vais pas. Il y en a, ils sont fans de timbres. De qui? De timbres, genre les timbres, ils font des collections et tout. Et là, ils deviennent fous pour avoir un timbre. Oui. Oui, mais je vais pas accrocher un costume. Enfin, même là, genre, j'avais accroché un masque. Toi, t'as bien ton poster de La La Land, là, non? Et alors? Ben. C'était pas ton intention de m'en dégoûter, mais c'est ce que t'as fait. Donc. Tu sais quoi? Ben, tu m'as dégoûté de Spider-Man, je peux plus. Genre, je peux plus. Et moi, attends, et tu crois que moi, à peine La La Land, je l'ai vu, et. Une minute après, j'ai quitté parce que c'est pourri, c'est nul ton film, il est nul, voilà. Ta gueule, voilà, dis pas ça. Voilà, je te l'avoue, il est nul ton oui, film. Oui, oui, ben tu l'as pas vu. Même si Emma Stone, je la baise, pardon. Ben non, on est pas. Non, mais rigole pas. Non, mais je rigole nerveusement, je sais pas, tu me prends en dépourvu là, comme ça. J'étais bien et tout, et wesh. Et tu voulais un mail? Ouais. Non, j'essaie de prendre ça bien parce que franchement, de ta part. Genre dans ta story, quand j'en vois, genre c'est 2-3 snaps, et là quand il y a des trucs Spider-Man, c'est trop poussé, c'est long. Mais tu sais très bien que moi je snap pas ma vie parce que. Enfin, y a pas intéressant. Du coup, moi je snap genre ceux qui m'intéressent. Genre parfois, tu vois, il y a des gars et tout, quand ils rigolent, quand ils mettent des petits coups de coude là, comme ça, avec Kenny, je s'appelle Kenny, tout ça. Enfin voilà, quand il fait toast et stas, c'est bien ça. Mais et non, moi j'y crois pas, c'est pas possible. Je peux pas faire détester quelque chose à quelqu'un. Ou carrément, t'as prévu une vidéo pour Spider-Man et tu l'as fait pas? Ben non, je peux pas, ça veut pas. Du coup, j'ai fait un autre film à la place. T'as fait quoi? Kill Bill. C'est quoi ça? C'est de Tarantino, tu sais, la meuf avec le sabre et le non, rouge. Non, mais je m'en fous. Oui, bon, bref, je comprends, ça t'a saoulé, mais bon, c'est dit. Non, ça m'a saoulé parce que toi, ça t'a saoulé, mais ouais. Non, mais c'est pas possible. Genre, dans pas longtemps, j'ai envie de m'acheter une carte PSN à 20€. Donc, si tu connais quelqu'un qui a une carte PSN, 20€ à me donner, ouais, merci. Non, mais non. Et je peux te dire un truc? Quoi? C'était un prank. T'es sérieuse? Non. Petit jingle comme dans le prank avec ma soeur. Un prank. Un prank au téléphone. Un prank Skype. FaceTime audio, voilà. Ouais, ça fait déjà 15 minutes, mais c'est pas possible. Genre pendant 15 minutes, tu m'as fait tourner en rond, c'est ça? Oui, moi j'ai trouvé ça sympa. Bah moi pas trop, hein. Si, on en rigolera dans quelques années. Ah carrément, dans quelques années? Oui, j'ai chaud. Tu l'as pas mal pris? Bah un peu, mais ça va. Et tu vas vraiment la tourner la vidéo, j'espère? Oui, c'est pour le buzz. Qu'est-ce que tu me racontes, le buzz? Ben pardon. Non mais t'inquiète, pardon, c'est pas grave. Enfin, mais ouais, mais ça m'a... T'inquiète, je viens quand même, ouais, et j'aime toujours Spider-Man. Hein. Ah bah j'espère, il y a intérêt. Et d'ailleurs, bon bah du coup, comme c'est un prank, bah, si vous voyez cette vidéo-là, je sais pas sortir à quand, mais Spider-Man, il sort dimanche soir à 20h. 21h. À 21h, voilà, et l'autre, il est à 23h20. Donc regardez-les. Programme TV avec Aurélien. Donc, du coup, si vous voulez vraiment voir encore plus, genre, les trucs, ajoutez-moi sur Snap. Je vous le mettrai à l'écran. Genre, déjà, j'ai pas beaucoup de personnes, je dois les saouler. Oui, ben moi c'est un film, mes stories de toute façon. C'est pour ça que moi, genre, avant d'aller sur YouTube ou regarder un film, je regarde ta story, tu vois. Et je me pose comme ça, je me dis ça va durer longtemps, du coup, ben voilà.
tu m'as déboussolé, c'est pas possible. Mais en plus, c'est vrai, on programme toujours nos appels. Les gens vont croire que c'est faux. Mais c'est vrai, genre vraiment, on programme vraiment nos appels et tout. Un programme, ouais, j'en dirais, tu sais, un rendez-vous. Mais non, mais je veux dire, tu vois. Oui, c'est je t'appelle pas à l'improviste, salut. Parce que nos Skype, ils durent pas une heure, quoi. 4 heures. D'ailleurs, le dernier qu'on a fait, c'était le plus court de tous. Ouais. Bon, ben voilà, je vais te faire la bise, je vais faire mon outro. Bon, bonne journée et bonjour les gens. Voilà, super. Bon, allez, ciao. Bon, bah, à plus. Ciao. À plus. Putain, sérieuse. Grosse pute. Oh merde, j'ai raccroché. Je voulais faire cette vidéo avant de faire des stories sur Spider-Man dimanche parce que j'espère que je pourrai la poster avant celle-ci parce que sinon ça va pas être crédible. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé. J'espère que c'est pas trop gênant, genre quand il n'y a pas une personne devant. Comme a dit Aurélien, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain à 4h pour une prochaine vidéo. Bye.